Bien ça, mademoiselle, donc aujourd'hui on va jouer avec la palette Visart. C'est celle en la couleureuse Editorial Brights. Donc j'ai déjà fait mon fond de teint, mon blush et tout ça, mais on va avec celle-ci passer directement aux yeux. Donc je commence avec un pinceau de chez MAC. Oh, c'est un Chromographic Pencil en Pure White. Il y a celui de NYX aussi, qui fonctionne très bien, mais la base blanche va nous aider à faire que les couleurs pop vraiment mieux. Et je vais mettre du blanc dans la première partie de l'œil, donc ça va aider. On commence avec une base blanche et on estompe le tout. J'utilise un 217 de chez MAC. Aujourd'hui, je vais travailler sur un œil et puis l'autre après. Donc, je vais commencer avec le blanc. Il y a des jours où je travaille comme ça, un œil après l'autre. Je trouve que si je mets la base des fois sur les deux côtés et puis après ça j'estompe. Je trouve que des fois ça fait que l'estompage est plus difficile sur le deuxième œil, car la base a déjà séché. Donc j'aime cette technique aussi. Je vais prendre ensuite cette couleur rouge dans le milieu de l'œil. Couleurs sont extrêmement pigmentées, donc il vous faut très peu vraiment. Et puis un autre pinceau et je vais prendre cette couleur ici. Je vais estomper le tout dans une minute, mais je veux en premier mettre toutes les couleurs sur l'œil. Donc j'ai bien estompé le tout et j'ai passé un petit peu ce qui restait sur ma brosse sous l'œil. C'est un peu intense, donc je vais ajouter un petit peu de liner noir dans la muqueuse. Et puis un petit peu sur le cil. Je sais que l'Halloween est fini, ou presque. Mais ça n'empêche jamais de mettre du maquillage intense. Donc je vais juste passer un petit peu ici. Je vais estomper un petit peu avec une petite brosse. Et la même chose sur l'autre œil. Je vais ajouter du mascara et puis on est tout fini. On peut bien mettre des faux cils. J'ai une longue journée aujourd'hui, donc je ne vais pas les ajouter maintenant. Mais on peut bien les ajouter. Ils vont donner un joli effet aux yeux. Donc c'est tout. Je vais faire des points de positivité et je vais partir. Mon premier point de positivité, c'est toutes ces couleurs. Ça me donne vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup de sourire. Mon deuxième point de positivité, c'est une classe de spin ce matin que j'ai beaucoup aimé. Et mon troisième point de positivité, c'est une bonne conversation avec ma copine hier soir. Donc c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très belle journée. Merci pour avoir partagé votre temps avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite, comme je vous disais, une bonne journée pour aujourd'hui. Et je ne peux jamais vous quitter sans vous faire souvenir que la vie est beaucoup trop courte pour porter du rouge à lèvres ennuyant. Bye guys!